Il fait souvent du vélo. J'adore le fromage. Il n'a jamais vu d'aigle, en vrai. Il avait failli renverser un aigle en allant chercher du lait. Il avait vu un aigle survoler le Nord-Otto. Il avait vu un aigle manger un vélo, mais pas de course. Il avait presque semblé voir un mystérieux aigle en bronze dans le bureau de la conseillère d'orientation. Il avait fabriqué une fausse gomme en viande pour aigle. La DDE avait prévu des aigles et des parkings pour les aigles déjà morts. Il avait fait un shampoing arracheur à un aigle. Il avait dit que la putain parlait anglais malgré les vélos. Il avait mis du poison dans un œuf d'aigle avec une seringue en plastique recyclée d'IKEA. Il avait fait une sculpture d'un aveugle en argile qui pense à un aigle qui mange un vélo en fromage de course. Le curateur avait bavé du fromage. Il avait vu un fromage plisser des yeux pendant sa RTT. Il avait fait fondre un aigle dans une cuillère à café et bu le café que sa mère lui avait dit de ne pas boire, vu que l'aigle savait très bien que son père faisait pousser de la drogue qu'il avait donnée à un faux cycliste du Tour de France. Il avait caché la pantoufle d'une ballerine qui avait de l'aigle plein les dents. Les écologistes avaient mangé un aigle de l'école de vélo. Les écologistes, encore, avaient sucé les os d'un vélo mort. Les scientifiques avaient amélioré les conditions de vie des aigles morts par vélo. C'est les sœurs des écologistes qui reprisaient les chaussettes des aigles morts par vélo. Les vélos n'avaient pas mouru les aigles, par sœur de vélo. Il avait volé la clé USB d'un vélo. Ils avaient installé la Livebox, mais en fromage. Les types du conseil régional avaient voté un crédit pour la réhabilitation du fromage pour aigle. Les chasseurs avaient cassé la patte d'un aigle mort. Les types de la DGSE avaient fait semblant de croire que la patte de l'aigle était en fromage de vélo mort. Le président du conseil régional avait encouragé le projet de rue piétonne à vocation fromageante. Le président de la République consultait la liste des fromages depuis le QG des aigles de campagne. Al-Qaïda avait menacé de recasser la pâte d'un fromage.
Dans un immense miroir, il voyait le reflet bigarré d'un évêque qui avait assommé un vautour. Les types du FMI fumaient de l'aigle. Le conseil régional avait voté un crédit pour décorer le nouveau rond-point avec des plumes d'aigle trempées dans la peinture verte. Le frère de la speakerine avait dit à tout le monde que les extraterrestres avaient un aigle à pattes cassées en fromage de vélo. Il avait peut-être une pantoufle en aigle, un chien en aigle, une balançoire à aigle. Il est fou à aigler. Il ne faut pas le croire. Il ne faut pas que vous le croiriez.